Alors, contrairement à certaines idées reçues, un massage cardiaque, ça ne fait pas repartir le cœur. C'est une situation qui est extrêmement rare. Le cœur, c'est un organe qui est autonome. Il n'est pas du tout commandé et dirigé par le cerveau. Je pourrais vous donner un exemple. Lorsqu'une femme va faire sa toute première échographie de contrôle de grossesse, le cœur est déjà développé, il est déjà en fonction et le reste des organes ne sont pas développés. Et finalement, ça en devient logique, on ne peut pas demander au fœtus de développer des organes si au préalable, on n'a pas prévu une pompe pour aller les alimenter. Donc finalement, on va demander à ce cœur de fonctionner d'une façon autonome. Ce n'est pas le cerveau qui le dirige. Il est doté de sa propre centrale électrique. Ça veut dire que la pompe cardiaque va fonctionner grâce à des impulsions électriques qui sont générées par sa propre centrale électrique. Il a sa propre batterie. Notre cœur va devoir fonctionner en aspirant du sang vers lui et en le refoulant, oxygéné, pour aller vers les organes. Pour que cette circulation sanguine soit vraiment coordonnée, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui batte la mesure et qui ordonne à certains muscles du cœur de se contracter pendant que d'autres vont devoir se relâcher. Cette pile électrique, là, médicalement, on appelle ça le nœud sinusal, et c'est lui qui va diriger toute l'activité cardiaque. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une personne qu'on dit en arrêt cardiaque, le cœur n'est pas arrêté. L'activité électrique dont je viens de parler s'est complètement emballée et désorganisée. Et si l'électricité qui est censée coordonner la pompe s'emballe, donc elle ne peut plus faire circuler le sang. Extérieurement, la personne est inconsciente, elle ne respire plus, on l'appelle communément en arrêt cardiaque. Mais en vérité, cette personne n'a pas son cœur arrêté. Médicalement, on dit que le cœur est en fibrillation, l'activité est complètement désorganisée. Si l'activité est en fibrillation, il va falloir défibriller le cœur. Pour défibriller le cœur, on va utiliser un défibrillateur. Cet appareil, quel rôle va-t-il jouer? Il va envoyer une décharge électrique dans le cœur qui va avoir pour objectif de stopper l'activité cardiaque. Ça ne fait pas repartir le cœur, ça l'arrête. Dans l'espoir que ce fameux nœud sinusal, là, ce chef d'orchestre, rebatte la mesure. On dit en langage commun, ça fait un reset. Ça reset le cœur et ça lui permet de repartir. Et dans la très très grande généralité des cas, ça fonctionne bien. Donc il faut bien distinguer deux actions. Le massage cardiaque que le secouriste réalise ne fait pas repartir le cœur, lui permet d'oxygéner le cerveau. Mais le défibrillateur, lui, il va s'occuper d'analyser le rythme cardiaque et d'envoyer un choc si nécessaire.